Que reste-t-il de l'humanisme et du sacré dans la déséducation? J'ai toujours pensé, moi, avec Platon, ce sont des vieux maîtres, toujours pensé que, comme en amour, on commence à apprendre par les yeux. Et c'est les yeux qui déclenchent les premiers sentiments. Donc, je vois dans l'éducation, moi, d'abord, des échanges de regards, des échanges de sourires, des échanges de visages. Faire un contact avec les étudiants, les étudiantes, avec les yeux. Ou avec les gestes, comme je fais beaucoup de gestes, c'est toujours facile. Avec les gestes. Et là, j'entrais dans un univers de mystère parce que ce qu'on trouve à l'école, ce n'est pas ce qu'on trouve à la maison. À l'école, tu arrives des murs différents. Déjà, tu as le sens du mystère. Je parle au nom des jeunes. Tu as le sens du mystère. Les murs sont différents. Les mots sont différents. Souvent, tu vas apprendre des beaux mots à l'école que tu n'entendras pas à la maison. Et c'est pour cette raison que je trouve que l'éducation doit être d'abord non pas orientée vers telle ou telle religion avec les enfants, orientée vers l'émerveillement. Le professeur devrait aussi se faire un devoir de transmettre, même parallèlement ou en dehors des matières qu'il enseigne, le goût du beau, faire valoir qui est grand dans l'univers, qui a fait ceci ou cela, pour créer une curiosité. La curiosité est un signe d'intelligence, pour que l'élève puisse plonger dans des livres. Et que l'enfant puisse être capable de voir dans la rue un autre enfant et de le trouver beau. Et qu'il trouve quelqu'un, un vieillard qui marche et qui boite, de trouver ça beau. Tu sais. En arriver à ce que l'enfant soit réconcilié avec ce que les adultes rejettent. C'est la réconciliation chez l'enfant qui est le plus urgent, à mon avis. Avec ce qu'il est, avec ce qu'il voit, avec ce qu'il entend. Que l'enfant entre en contact avec le sacré, puisque c'est le sujet, à partir de ce qu'il voit, de l'immédiat, la beauté d'une feuille, la beauté d'une petite pierre, d'un caillou, le retour plus simple, la simplicité des gestes, que les enfants prennent contact avec la nature. Que les enfants sachent qu'aujourd'hui, il fait beau, que le soleil est là, que les arbres ont perdu leurs feuilles, et que c'est important qu'ils sachent ça. Que dans la vie, il y a des temps où on perd les feuilles, qu'on apprenne la nature, qu'on revienne à la nature, au cosmos. Il faut absolument que les enfants apprennent l'histoire, mais pas l'histoire simplement répétitive, là. Qu'ils apprennent, par exemple, le nom de leurs grands-parents, et qu'ensuite, ils apprennent d'où venaient les grands-parents, et qu'ils reviennent un peu en arrière, tu sais, leur enseigner l'histoire à partir de l'immédiat. Non pas à partir des plaines d'Abraham, puis du calme. On a remarqué que lorsqu'il y avait de la vitesse, autrefois c'était un signe d'efficacité, aujourd'hui c'est un signe de vulgarité. On va très vite. On pense vite. On fait tout très vite. Parce que c'est très rapide. Vos programmes sont... C'est fait par des gens dans les bureaux. Ça, c'est des technocrates. C'est pas trop sérieux. Faut pas le dire. Et ce sont des motivations d'adultes que l'on veut imposer aux enfants. Ils aiment moins ça. On doit suivre les motivations d'enfants. L'enfant, il aime s'amuser, il aime regarder. On dit qu'il faut un peu s'abaisser, se mettre à la portée de l'enfant. Mmh. J'avais lu... Faut pas se mettre à sa portée. Faut se lever sur le bout des pieds pour les rejoindre. Il y a tout le sacré se retrouve tout à coup, j'ai remarqué, dans une sorte de lenteur et de dignité. Si tu demandes à un enfant de lire, il va lire. Mais si tu lui dis, tu vas te lever debout, parce que c'est un texte qui est beau, ou bien tu vas le jouer, là. Tout de suite, lui est entré dans cet univers de la lenteur. Parce qu'il y a un geste qui est venu le rejoindre. Notre civilisation est irréfléchie. C'est de plus en plus difficile que d'enseigner les choses vraies parce qu'elles viennent à contre-courant
de ce qui est enseigné ou de ce qui est fait maintenant. Si je sais sur l'autoroute, je fais l'expérience de rouler à 92 km à l'heure pour dépenser moins d'énergie, moins polluer, que ça coûte moins cher. Ben, je suis à peu près le seul à le faire. Il y en a quelques-uns de temps en temps. Et pourtant, on aurait une solution facile. Le geste très lent signifie le respect. Je regarde ça dans les liturgies. Dans les liturgies royales, par exemple. Mais l'être humain, on ne lui touche pas. Toucher, ça doit faire partie de l'éducation de base chez les enfants, à la maison, à l'école. C'est rendu dangereux de toucher. On ne peut plus toucher. On a peur de se faire poursuivre. C'est toujours une connotation sexuelle qu'en fait, c'est un besoin. Donc, l'éducation, c'est répondre à nos besoins. Besoin, pas des besoins qu'on s'invente. Si on arrive à l'école, l'enfant est tout de suite « ouvrez vos livres », on lui blesse les yeux. Il faut que l'enfant ait le temps de regarder. Peut-être se bousculer un peu avec le voisin, ça tout dépend du professeur, mais un temps, de politesse élémentaire. Parce que le sacré primitif dans l'histoire des civilisations, c'est le rapport avec l'air, le rapport avec l'eau, le rapport avec la terre et le rapport avec le feu. Moi, le sacré, il est dans les détails. Il n'est pas... il est dans les livres. J'en ai écrit des livres, ça c'est facile. Mais dans les détails, quand on enseigne, c'est d'aller les chercher là où ils sont. Qu'est-ce que tu as fait hier? Tu étais malade? Qu'est-ce que tu as pris? Un petit seul remède? Pourquoi tu n'as pas pris de l'eau? L'institutrice, l'enseignante, voulait faire c'est trois fois ça. Et la prière à l'enfant, une journée où de première neige, ça se fait pas. Tu envoies les enfants à la fenêtre, hein? T'as pas besoin de parler, t'as pas besoin de faire de prière, là. La neige, tu tombes. On est là à rendre compte. On est dans, comment dirais-je, c'est la comptabilité, comme les Américains. On est toujours en train de compter des choses, ça a donné ceci, cela. On ne travaille pas dans l'indicible. Ça fait peur d'être ici parce qu'on est déstabilisé. Moi, je joue parfois sur les mots, je serais pour les compétences inattendues pour un peu. Qu'est-ce qu'on n'a pas prévu qui vont se réaliser? Ça fait peur d'entendre ça. Il y a quand même une partie de l'être humain, au fond de nous, qui refuse soit ce qui est enseigné parce que ça n'a pas de sens, mais qui peut aussi refuser parce que ça a du sens, mais que ça nous confronte et qu'on ne veut pas changer.